semble en légère baisse du vent offshore ce midi sur le canon Rebonjour à toutes et à tous. On a un temps ensoleillé dégagé, une température extérieure à 25 degrés, une température de l'eau à 19-20 degrés. Une marée qui est actuellement en train de finir de descendre. Le plein bas est à 11h40 avec des coefficients de 97 de grande marée. Et sur cette fin du descendant, le vent est offshore modéré par le nord-est. Il y a un beaufort établi des rafales à 2. Le plan d'eau est ridé, les phases de vagues sont lisses. Et on a une houle qui est elle propre et moyenne à longue avec 9 secondes de période orientée nord-ouest à ouest-nord-ouest en légère atténuation par rapport à ce matin. 50-70 cm en déferlement régulier, 80 cm sur des séries, un peu plus longue à venir. Mais il y a quand même des bancs de sable un peu au large là, qui sont rares mais qui arrivent à concentrer la houle et qui délivrent par moment 1 mètre. Mais c'est pas la majorité des bancs. La majorité des bancs donne du 50-80. 80 aux séries, puis de temps à autre ça monte à 1 mètre sur les meilleurs bancs. Bon, il y a des vagues à attraper, hein, des conditions générales qui sont propres. Il y a des vagues au large, il y a des vagues au bord, il y a des bancs de sable qui sont un peu plus favorables que d'autres. Il y a de quoi glisser, ce sont des conditions estivales avec beaucoup de monde à l'eau. L'évolution pour le reste de la journée, c'est un train de houle qui va se maintenir. La bouare cachant tourne dans les 1 m 10, 6, 7 secondes de période. Attention au vent qui devrait se renforcer en brise thermique en fin d'après-midi, mais c'est à confirmer car on a de gros couefs et une marée haute en fin de journée. Les prévisions à 13h, 50-80, quelques séries au-delà, ou le nord-ouest à ouest-nord-ouest, 9 secondes de période, vent de nord-ouest à 1 de Beaufort.